C'était Mathieu Boulot, notre champion de la voie de la cyclo-cross. C'est l'arrivée dès sa présence sur la ligne, c'est l'arrivée avec le sprint superbe. Ici donc Maxime Cam qui double la mise. Cam, s'il vous plaît, merci à lui. Merci, c'est parti pour 10 secondes d'applaudissement, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît, encore 5 secondes. Merci. Merci pour Maxime Cam. Maxime Cam, vainqueur d'étape, lauréat du classement général. Pour celui qui avait déjà remporté le Grand Prix, Gilbert Bousquet, qui se retrouve avec l'une des hôtesses de l'organisation sur le devant de ce podium. Sincèrement, quand on a pris le départ, tu me disais, je serai un peu sur la réserve aujourd'hui. Mais est-ce que tu avais menti un tout petit peu? Ben, la preuve que oui. Mais non, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mouvements en début de course. Et puis je voyais que Valentin essayait de sortir aussi, donc il fallait que je l'accompagne dans les gros groupes. Et finalement, ça s'est passé à l'Aucunolé où il a pris un peu d'avance, il était en contre derrière l'échappé. Et puis moi, je suis sorti donc dans la bosse et je suis revenu devant. Il n'a pas réussi à prendre la roue, puis après, je savais que là, fallait tout donner jusqu'à l'arrivée. C'était pas une ambition plus que ça cette année. J'avais vraiment envie de me faire plaisir avant tout. Maintenant, si voilà, il y a des contrats qui se proposent, bien sûr que je les étudierai de près. Mais voilà, pas n'importe quel prix. Et puis le principal dans le jeu, c'est de faire plaisir. Pour le classement général pour la 52e édition de l'Essor Breton, merci à Maxime Cam qui reçoit les félicitations du président du comité d'organisation, Jean-Pierre Cannes. Mon cher Jean-Pierre, j'ai pris longueur d'avance parce que le public y était impatient. D'ailleurs, puisque nous sommes avec Monsieur Pierre Pouliquin, vice-président de la région Bretagne, chargé des sports, remise cette fois-ci donc du trophée à celui qui a remporté le gain de l'étape, qui a remporté également le classement général. Sur vos applaudissements pour Maxime Cam, s'il vous plaît, merci. Également d'étape sur le tour de l'estuaire, le deuxième sur le manche atlantique, et la remise en parallèle, ce sera du maillot rose, dotation avec le Crédit Agricole, le bon sens en action. On a remercié notamment donc, puisque nous sommes sur le podium d'animation, on a salué tout à l'heure la présence de Monsieur Pierre Bagnel. Je le remercie comme il se doit, merci à lui. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît, Valentin Manouas, s'il vous plaît, merci à vous. Je suis tombé sur plus fort que moi, comme j'ai dit, j'ai tenté et... Bah voilà, Max m'a bien contré et puis le coup est sorti comme ça. Donc après, on a essayé de gérer avec l'équipe l'écart. L'écart est monté assez haut. Et dans le final, je savais que ça allait un petit peu baisser parce que les coureurs devant allaient se jouer la victoire d'étape. Même si ça a été chaud, un moment à 3-4 tours de l'arrivée, l'écart avait du mal à descendre. Puis ça va être vraiment compliqué. Mais bon, voilà, ça s'est bien descendu. Puis je suis tombé sur largement plus fort que moi aujourd'hui. Pour autant, c'est un bon bilan, une victoire d'étape, une deuxième place au classement général, c'est pas mal. Oui, mais c'est un très bon bilan pour l'équipe aussi. Stéphane arrive à faire 3 aujourd'hui. Voilà, on aurait fait un essor presque parfait s'il avait réussi à gagner l'étape, mais bon, c'est comme ça, il fait une belle troisième place et puis ça nous remet un peu dans le match et on a vraiment envie de réussir les prochaines courses. Lutte contre la montre, celui qui a été également champion d'Europe, deuxième d'un championnat du monde.
Je vous en prie avec cette fois-ci la remise, ce sera bénéfique donc, remise cette fois-ci de la coupe. Nous sommes avec monsieur le maire délégué de Pierre-Nével, monsieur Jacques Ranou qui nous a rejoint sur le devant de ce podium, aux côtés de celui qui a terminé troisième du classement général. Merci de l'applaudir très très fort, Yoann Payot qui a été professionnel à la Pôle Marseille. Un petit mot également, Yoann Payot, qui a eu l'occasion de se mettre en évidence sur le contre-la-montre. Il est d'ailleurs troisième du classement général. Je dirais que l'ensemble a belle allure pour toi. Oui, oui, c'est sûr. L'objectif ce matin, c'était de garder mon podium, voire faire mieux, voire gagner le classement général. Mais on va dire que je suis tombé sur un Maxime Cam très costaud aujourd'hui, où il est rentré tout seul sur l'échappée. Et quand je l'ai vu sortir, je ne pouvais pas faire le jump. Et du coup, on a mis des gars à rouler, puis finalement, dans le final, après, l'écart était très important, donc j'ai roulé pour limiter la caisse, pour garder ma place au général, troisième place au général.